Lorsque j'avais 6 ans, j'ai vu une fois une magnifique image dans un livre sur la forêt vierge qui s'appelait « Histoire vécue ». Ça représentait un serpent boa qui avalait un fauve. On disait dans le livre, les serpents boa avalent leur proie tout entière sans la mâcher. Ensuite, ils ne peuvent plus bouger et ils dorment pendant les 6 mois de leur digestion. J'ai alors beaucoup réfléchi sur les aventures de la jungle et à mon tour, j'ai réussi avec un crayon de couleur à tracer mon premier dessin. J'ai montré mon chef-d'œuvre aux grandes personnes et je leur ai demandé si mon dessin leur faisait peur. Elles m'ont répondu « Pourquoi un chapeau ferait-il peur ?» Mon dessin ne représentait pas un chapeau, il représentait un serpent boa qui digérait un éléphant. J'ai alors dessiné l'intérieur du serpent boa afin que les grandes personnes puissent comprendre. Les grandes personnes ne comprennent jamais rien toutes seules, et c'est fatigant pour les enfants de toujours et toujours leur donner des explications. Thank you.
C'est ainsi que j'ai abandonné à l'âge de 6 ans une magnifique carrière de peintre. J'ai donc dû choisir un autre métier et j'ai appris à piloter des avions. J'ai vécu seul, sans personne avec qui parler véritablement, jusqu'à une panne dans le désert du Sahara. Le premier soir, je me suis endormi sur le sable à 1000 miles de toute terre habitée. J'étais bien plus isolé qu'un naufragé sur un radeau au milieu de l'océan. Alors, vous imaginez ma surprise, au lever du jour, quand une drôle de petite voix m'a réveillé. Elle disait « S'il vous plaît, dessine-moi un mouton ». Dessine-moi un mouton. Non, non, je ne veux pas d'un éléphant dans un boa. Un boa, c'est très dangereux. Et un éléphant, c'est très encombrant. Chez moi, c'est tout petit. J'ai besoin d'un mouton. Dessine-moi un mouton. Non, celui-là est déjà très malade. Fais-en un autre.
vois bien, ce n'est pas un mouton. C'est un bélier, il a des cornes. Celui-là est trop vieux. Je veux un mouton qui vive longtemps. Ça, c'est la caisse. Le mouton que tu veux est dedans. C'est tout à fait comme ça que je le voulais. Crois-tu qu'il faille beaucoup d'herbe à ce mouton? Parce que chez moi, c'est tout petit. Tiens, il s'est endormi. J'entrevis aussitôt une lueur dans le mystère de sa présence et j'interrogeai brusquement « Tu viens donc d'une autre planète ?» Mais il ne répondit pas. Il hochait la tête doucement en regardant mon avion et il s'enfonça dans une rêverie qui dura longtemps. Puis, sortant mon mouton de sa poche, il se plongea dans la contemplation de son trésor. Chaque jour, j'apprenais quelque chose sur la planète, sur le départ, sur le voyage. Ça venait tout doucement au hasard des réflexions. C'est ainsi que le troisième jour, je connus le drame des baobabs. Il y avait des graines terribles sur la planète du Petit Prince. C'étaient des graines de baobabs. Le sol de la planète en était infesté. Or, un baobab, si l'on s'y prend trop tard, on ne peut jamais plus s'en débarrasser. Il encombre toute la planète. Il la perfore de ses racines, et si la planète est trop petite, et si les baobabs sont trop nombreux, ils la font éclater. C'est une question de discipline. Quand on a terminé sa toilette du matin, il faut faire soigneusement la toilette de la planète. Il faut s'astreindre régulièrement à arracher les baobabs dès qu'on les distingue, d'avec les rosiers auxquels ils ressemblent beaucoup quand ils sont jeunes. C'est un travail très ennuyeux, mais très facile. J'ai connu une planète habitée par un paresseux. Il avait négligé trois arbustes.
petit prince, j'ai compris peu à peu ta petite vie mélancolique. Tu n'avais eu longtemps pour distraction que la douceur des couchers de soleil. J'ai appris ce détail nouveau le quatrième jour au matin quand tu m'as dit « J'aime bien les couchers de soleil. Allons voir un coucher de soleil. » Thank you.
Sur ta si petite planète, il te suffisait de tirer ta chaise de quelques pas, et tu regardais le crépuscule autant de fois que tu le désirais. Un jour, j'ai vu le soleil se coucher 43 fois. Quand on est tellement triste, on aime les couchers de soleil. Le jour des 43 fois, tu étais donc tellement triste? Mais le petit prince ne répondit pas. Le cinquième jour, toujours grâce au mouton, ce secret de la vie du petit prince me fut révélé. Il me demanda avec brusquerie, sans préambule, comme le fruit d'un problème longtemps médité en silence. Il y a des millions d'années que les fleurs fabriquent des épines. Il y a des millions d'années que les moutons mangent quand même les fleurs. Et ce n'est pas sérieux de chercher à comprendre pourquoi elles se donnent tant de mal pour se fabriquer des épines qui ne servent jamais à rien. Ce n'est pas important, la guerre des moutons et des fleurs. Si quelqu'un aime une fleur qui n'existe qu'à un exemplaire dans les millions et les millions d'étoiles, ça suffit pour qu'il soit heureux quand il les regarde. Il se dit « Ma fleur est là, quelque part ». Mais si le mouton mange la fleur, c'est pour lui comme si brusquement toutes les étoiles s'éteignaient. Je le pris dans les bras, je le berçai. Je ne savais pas trop quoi dire, je me sentais très maladroit. Je ne savais comment l'atteindre, où le rejoindre. C'est tellement mystérieux le pays des larmes.
J'aurais dû ne pas l'écouter. Il ne faut jamais écouter les fleurs. Il faut les regarder et les respirer. La mienne embaumait ma planète, mais je ne savais pas m'en réjouir. J'aurais dû la juger sur les actes et non sur les mots. Elle m'embaumait et m'éclairait. Je n'aurais jamais dû m'enfuir. J'aurais dû deviner sa tendresse derrière ses pauvres ruses. Les fleurs sont si contradictoires, mais j'étais trop jeune pour savoir l'aimer. Je crois qu'il profita pour son évasion d'une migration d'oiseaux sauvages. Au matin du départ, il mit sa planète bien en ordre. Et quand il arrosa une dernière fois la fleur et se prépara à la mettre à l'abri sous son globe, il se découvrit l'envie de pleurer. Il se trouvait dans la région des astéroïdes, 325, 326, 327, 328, 329 et 330. Il commença donc par les visiter pour y chercher une occupation et pour s'instruire. La première astéroïde était habitée par un roi. Le roi siégeait, habillé de pourpre et d'hermine, sur un trône très simple et cependant majestueux. Ah, voilà un sujet pour les rois. Le monde est très simplifié. Tous les hommes sont des sujets. Thank you.
Les grandes personnes sont bien étranges. La seconde planète était habitée par un vaniteux. Ah, voilà la visite d'un admirateur. Car pour les vaniteux, les autres hommes sont tous des admirateurs. Les grandes personnes sont décidément bien bizarres. La planète suivante était habitée par un buveur. Que fais-tu là ? Je bois. Pourquoi bois-tu ? Pour oublier. Pour oublier quoi ? Pour oublier que j'ai honte. Honte de quoi ? Honte de boire. Les grandes personnes sont décidément très, très bizarres. La quatrième planète était celle du businessman. Cet homme était si occupé qu'il ne leva même pas la tête à l'arrivée du petit prince. Tu possèdes les étoiles ? Oui. Et à quoi cela te sert-il de posséder les étoiles ? Ça me sert à être riche. Et à quoi cela te sert-il d'être riche ? À acheter d'autres étoiles. Comment peut-on posséder les étoiles ? Moi, si je possède une fleur, je puis cueillir ma fleur et l'emporter. Mais tu ne peux pas cueillir les étoiles. Moi, je possède une fleur que j'arrose tous les jours. Je possède aussi 3 volcans que je ramone toutes les semaines. C'est utile à mes volcans. C'est utile à ma fleur que je les possède. Mais tu n'es pas utile aux étoiles. Thank you.
Les grandes personnes sont décidément tout à fait extraordinaires. La cinquième planète était très curieuse. C'était la plus petite de toutes. Il y avait là juste assez de place pour loger un réverbère et un allumeur de réverbère. Peut-être bien que cet homme est absurde. Cependant, il est moins absurde que le roi, que le vaniteux, que le businessman et que le buveur. Au moins, son travail a-t-il un sens? Quand il allume son réverbère, c'est comme s'il faisait naître une étoile de plus ou une fleur. Quand il éteint son réverbère, s'endort la fleur ou l'étoile. C'est une occupation très jolie. C'est véritablement utile puisque c'est joli. Celui-là, c'est le seul qui ne me paraisse pas ridicule. C'est peut-être parce qu'il s'occupe d'autre chose que de soi-même. Celui-là est le seul dont j'eusse pu faire mon ami. La sixième planète était une planète 10 fois plus vaste. Elle était habitée par un vieux monsieur qui écrivait d'énormes livres. Quel est ce gros livre? Que faites-vous ici? Je suis géographe. Et qu'est-ce qu'un géographe? C'est un savant qui connaît où se trouvent les mers, les fleuves, les villes, les montagnes et les déserts. Ça, c'est bien intéressant. Ça, c'est enfin un véritable métier. Conseillez-vous d'aller visiter? La planète Terre a la bonne réputation. La septième planète fut donc la Terre.
Le petit prince, une fois sur terre, fut donc bien surpris de ne voir personne. Il avait déjà peur de s'être trompé de planète quand un anneau couleur de lune remua dans le sable. Il n'y a donc personne sur la Terre ? Ici, c'est le désert. Il n'y a personne dans les déserts. La Terre est grande, dit le serpent. Où sont les hommes ? On est un peu seul dans le désert. On est seul aussi chez les hommes. Tu es une drôle de bête, mince comme un doigt. Mais je suis plus puissant que le doigt d'un roi. Tu n'es pas bien puissant. Tu n'as même pas de pattes. Tu ne peux même pas voyager. Je puis t'emporter plus loin qu'un navire. Celui que je touche, je le rends à la terre dont il est sorti. Mais tu es pur et tu viens d'une étoile. Tu me fais pitié, toi, si faible sur cette terre de granit. Je puis t'aider un jour si tu regrettes trop ta planète. Je puis, oh, j'ai très bien compris. Qui es-tu ? Je suis un renard. Viens jouer avec moi. Je suis tellement triste. Je ne puis pas jouer avec toi. Je ne suis pas apprivoisé. Ah, pardon. Qu'est-ce que signifie apprivoisé ? Oh, c'est une chose trop oubliée. Ça signifie créer des liens. Créer des liens ? Bien sûr. Tu n'es encore pour moi qu'un petit garçon semblable à 100 000 petits garçons. Et je n'ai pas besoin de toi et tu n'as pas besoin de moi non plus. Je ne suis pour toi qu'un renard semblable à 100 000 renards. Mais si tu m'apprivoises, nous aurons besoin l'un de l'autre. Tu seras pour moi unique au monde et je serai pour toi unique au monde. Je commence à comprendre. Il y a une fleur. Je crois qu'elle m'a apprivoisé. On ne connaît que les choses que l'on apprivoise. Les hommes n'ont plus le temps de rien connaître. Ils achètent des choses toutes faites chez les marchands. Mais comme il n'existe pas de marchands d'amis, les hommes n'ont point d'amis. Si tu veux un ami, apprivoise-moi. Il faut être patient. Tu t'assoiras d'abord un peu loin de moi, comme ça, dans l'herbe. Je te regarderai du coin de l'œil, tu ne diras rien. Le langage est source de malentendu. Mais chaque jour, tu pourras t'asseoir un peu plus près et revenir à la même heure. Si tu viens par exemple à 4 heures de l'après-midi, dès 3 heures, je commencerai d'être heureux. Plus l'heure avancera, plus je me sentirai heureux. À 4 heures, déjà je m'agiterai et m'inquiéterai. Je découvrirai le prix du bonheur. Mais si tu viens n'importe quand, je ne saurai jamais à quelle heure m'habiller le cœur. Il faut des rites.
Un rite est aussi quelque chose de trop oublié. C'est ce qui fait qu'un jour est différent des autres jours, une heure des autres heures. Il y a un rite, par exemple, chez les chasseurs. Ils dansent le jeudi avec les filles du village. Alors le jeudi est un jour merveilleux. S'il te plaît, apprivoise-moi. Adieu. Voici mon secret. Il est très simple. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. L'essentiel est invisible pour les yeux. Nous en étions au huitième jour de ma panne dans le désert, et j'avais bu la dernière goutte de ma provision d'eau. C'est bien d'avoir eu un ami, même si l'on va mourir. Moi, je suis bien content d'avoir eu un ami renard. J'ai soif. Cherchons un puits. Thank you.
Comme le petit prince s'endormait, je le pris dans mes bras et me remis en route. Comme ses lèvres entr'ouvertes ébauchaient un demi-sourire, je me dis encore, ce qui m'émeut si fort de ce petit prince endormi, c'est sa fidélité pour une fleur. C'est l'image d'une rose qui rayonne en lui comme la flamme d'une lampe, même quand il dort. Marchant ainsi, je découvris le puits au lever du jour. L'eau peut être aussi bonne pour le cœur. Les hommes de chez toi cultivent 500 000 roses dans un même jardin et ils n'y trouvent pas ce qu'ils cherchent. Et cependant, ce qu'ils cherchent pourrait être trouvé dans une seule rose ou un peu d'eau. Mais les yeux sont aveugles. Il faut chercher avec le cœur. Tu regarderas la nuit les étoiles. C'est trop petit chez moi pour que je te montre où se trouve la mienne. C'est mieux comme ça. Mon étoile sera pour toi une des étoiles. Alors, toutes les étoiles, tu aimeras les regarder. Elles seront toutes tes amies. Quand tu regarderas le ciel la nuit, puisque j'habiterai dans l'une d'elles, puisque je rirai dans l'une d'elles, alors ce sera pour toi comme si riaient toutes les étoiles. Tu auras, toi, des étoiles qui savent rire. Cette nuit, tu sais, ne viens pas. J'aurai l'air d'avoir mal, j'aurai un peu l'air de mourir, c'est comme ça. Ce sera gentil, tu sais.
Moi aussi, je regarderai les étoiles. Toutes les étoiles seront des puits avec une poulie rouillée. Toutes les étoiles me verseront à boire. C'est là. Laisse-moi faire un pas tout seul. Voilà, c'est tout.